Jean-Pierre Bonnier, la deuxième fois consécutif champion du monde ici à Cerro-Bacho. Jean-Pierre, ton deuxième titre consécutif ici à Cerro-Bacho. Comme tu l'as vu cette fois, comment l'as vu cette fois, ce second titre consécutif ici à Cerro-Bacho? Alors, c'est mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était mauvaise condition. Là, cette année, c'était merveilleux. De venir ici, de toute façon, c'est toujours merveilleux. La Patagonie, Bariloche, la Langostura, c'est le top. Mais quand il faisait froid l'année dernière, c'était dur. Mais on est quand même revenu et on enchaîne avec un nouveau titre. Je suis vraiment content. Bueno, dice que está muy feliz, muy contento, que mucho mejor que el año pasado, porque había mucho frío, mucha nieve, la Patagonia, contaba el clima en Bariloche, mucha Langostura. Et bon, tu vas continuer de participer ici l'année prochaine, l'année prochaine, si va continuer. À l'Open Shimano? À l'Open Shimano ou le prochain mondial, le prochain mondial? Après, je ne sais pas s'ils ont encore le mondial. Je ne sais pas où est-ce que c'est le mondial l'année prochaine, mais pourquoi pas venir à l'Open Shimano, passer quelques jours de vacances et faire la descente avec les locaux. Bon, merci beaucoup. Congratulations, félicitations, muchas gracias. Merci pour rester ici. Merci à vous de l'accueil. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Pierre Bonnier, con todos tus pibes. Miren, Samo, están todos los chicos acá que quieren sacarse la foto con el bicampeón del mundo y lo está viviendo por la TV. Nos dice que sí, que va a venir. Si no puede, si no se hace el mundial, va a venir al. Y Sebastián Bosa acaba de consagrar campeón también. Dice que va a venir Jean-Pierre a comer el Open Shimano también, si no. Está encantado con la Patagonia, con Argentina y con todos estos chicos también que les piden fotógrafos, fotos, de todo. Los han vivido por la TV.